Eh bien, bienvenue pour ce qui va être un petit déballage de la Pocket Chip que j'ai reçu déjà il y a quelques temps. J'ai eu la chance de la recevoir pas trop tardivement, mais bien entendu, j'ai traîné à faire un petit commentaire audio parce que je l'ai pas fait tout de suite, tout de suite. J'étais un peu pressé comme un sale gosse de tout déballer. Donc, je n'avais pas fait la partie audio tout de suite. Donc, cette Pocket Chip, comme vous allez le voir, c'est un projet qui, basé sur une carte qui ressemble assez en fait à une Raspberry, permet d'avoir une petite console avec clavier, écran intégré. C'est assez sympa comme idée. Donc là, c'est très très basique de toute façon comme emballage. La notice à l'arrière se suffit pour démarrer, hein. Vous la branchez, vous la mettez en route, et de toute façon, vous allez le voir, à l'allumage, chaque portion du système est agrémenté d'un petit tuto qui présente un peu tout ce qu'il y a à voir. Donc l'intérieur n'est pas plus riche que le schéma extérieur, hein. Il n'y a pas des masses de choses à l'intérieur. Il y a essentiellement le Pocket Chip et un petit câble USB. Donc voilà la bête. Voilà une vue d'ensemble du Pocket Chip. Le clavier est un clavier, je ne sais pas qui l'a conçu, mais je pense que c'est leur gros défaut. Je vous en dirai un peu plus, mais c'est une catastrophe, une espèce de clavier vaguement à bulle mécanique dessous, mais c'est pas terrible du tout. L'écran est plutôt correct. Ça reste un bel objet de toute façon, qui est parfaitement utilisable, puisque on peut se restreindre à un clavier externe dans un premier temps. Donc là, on voit la batterie, on voit le chip derrière, qui est vraiment une Raspberry Pi. C'est les mêmes principes, avec tous les GPIO. On a un port USB, plein port USB, qui est intéressant. J'ai fait quelques montages avec déjà. Un port mini pour le recharger, une prise audio. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les ports GPIO, comme une Raspberry, sont déportés, de manière à être facilement accessibles pour qu'on puisse y accrocher des câbles, venir y souder un petit peu des montages pour faire ces petits bricolages avec quand même le confort de ce petit clavier et de cet écran. Donc c'est un Linux à l'intérieur, hein, c'est un dérivé de Debian. Le boot, je vais vous l'accélérer un petit peu parce que c'est un petit peu long initialement, hein. Là je voulais accélérer. Et donc à l'allumage du Pocket Chip, on se retrouve avec un petit welcome qui est bien sympathique, qui permet de faire le tour de quelques boutons et quelques fonctions en fait. L'écran est tactile. Il faudra d'ailleurs que je récupère un stylet un peu d'aplomb. Là j'ai fait avec un stylo, mais c'était quand même pas l'idéal. Il y a des membres du forum Pocket Chip qui ont dit que c'était assez sympa d'utiliser les stylets des Nintendo DS. Il y a un petit espace à l'arrière du Pocket Chip au niveau de la prise USB qui permet de se glisser juste en dessous et on peut conserver le stylet à cet endroit. Donc je pense que c'est ce que je ferai. C'est quand même bien pratique d'avoir, si on a un écran tactile, de pouvoir l'utiliser quand même. Ça paraît la base. Surtout que j'ai quelques idées de montage où plutôt que de passer par le clavier, je préférerais avoir des zones où je peux appuyer directement sur l'écran. Donc le menu de base est celui-ci avec les applications principales, quelques réglages comme un peu de luminosité et puis de volume sonore. On peut aussi choisir d'allumer le Wi-Fi à cet endroit-là. Là, on a un menu un peu système pour les fonctions comme l'extinction, la mise en veille, pour flasher aussi. Je vais pas tarder à flasher d'ailleurs, puisqu'il y a une nouvelle version alpha de l'OS là qui contient d'ailleurs quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qu'on va voir dans cette version-là. Il y a déjà Pico 8, qui est, comme dit l'auteur, une fantasy console. C'est quelqu'un qui a codé une console qui n'existait que dans sa tête, qui était toute restreinte en capacité, à savoir un écran de 128 pixels par 128 pixels, de capacité sonore minimale. Il a vraiment voulu des contraintes en couleur, en taille mémoire et tout ça. Et donc l'implémentation qui en a été faite après utilisée sur le chip fait que ça fait une petite console vaguement rétro. Je vais vous montrer juste après. Donc là, on a un petit exemple de jeu tel qu'il existe. C'est là où le bât blesse avec le clavier existant, c'est-à-dire que les touches sont tellement peu réactives et difficiles à contrôler que ça va bien pour un petit jeu de, on va dire des petits jeux de logique, mais alors dès que là c'est un petit jeu de logique. Il y a des petits jeux d'arcade super sympas en Pico 8, mais c'est à déconseiller avec ça.
L'avantage du Pocket Chip, c'est que il est possible de brancher un vrai joystick en USB sans aucun souci, hein. Bon, il y a quelques modèles où il faut rajouter un driver, mais comme sur n'importe quel Linux. Et donc là, c'est les entrailles de Pico 8 où en fait on a un éditeur qui est embarqué, on peut aussi éditer dans un éditeur à côté, hein, pas de souci. Mais disons que là, tel que, on peut déjà coder à la volée en se baladant avec la console. Donc il y a du code qui est du code dans le langage LUA, ma foi, pourquoi pas. Donc c'est là où je vais avoir besoin d'un stylet, parce que pour les menus du haut, un stylet ou une souris, hein, c'est compatible avec une souris. Si on branche une souris directement sur l'USB, ça fonctionne bien aussi, qui permet d'accéder à l'éditeur de code, l'éditeur de sprite, l'éditeur de son, l'éditeur de musique. Pico 8 est plutôt complet, même si c'est un environnement restreint, c'est assez sympa pour se faire des petits jeux rapidement. Je trouve que c'est, comme le disait Monsieur Victorino lors de Mixit, faites des jeux, ça vous détendra l'esprit. Et c'est vrai, je trouve que c'est assez sympa de se faire des tout petits jeux très rapidement, pas besoin de faire des choses très compliquées. Ensuite, bah, on a un certain nombre d'outils, on peut faire un peu de musique avec. On a un vrai terminal Unix que j'ai utilisé par exemple lorsque j'ai branché une clé TNT. Il y a un montage qui existe à partir d'une clé TNT pour capter les balises publiques qu'embarquent les avions, et on peut savoir quels avions sont en train de nous passer au-dessus. Il y a moyen d'avoir une petite appli qui permet de suivre un peu en temps réel ce qui nous survole. Je trouve que c'est assez rigolo comme outil, surtout embarqué là-dedans. Donc on a vraiment un tout petit portable, hein, un vrai Linux, il y a un vrai OS, tout tourne comme sur un Linux. Donc voilà, j'espère que je vous ferai rapidement d'autres vidéos avec le montage, notamment celui pour les avions, et puis à très bientôt. Au revoir.